Salut tout le monde, c'est MLDEG et on se retrouve avec un petit compagnon. Voilà, qui va claquer. Nous sommes à l'épisode 32 de Minecraft et dans cet épisode, nous allons faire le deuxième design du piège à CD, du piège à disque, qu'on va faire tout de suite. Alors, du bois. J'ai que. Ah non, c'est bon, j'ai ça. Ok, il me faut de la redstone. Il me faut ça. Je sais que je suis chiant avec mes CD, mais. Je vais quand même remettre la... Ah tiens, on va changer le CD quand même. On va changer, on va mettre 4. Parce que celle-là était pas mal. Alors. Il me faut du bois. Je vais en faire... 8. Voilà. Ok. Et il me semble que c'est comme ça... Non, c'est l'inverse. Voilà. 8 pistons. On range le bois, on range ça. On range ça aussi. Et on va utiliser les boules gluantes. Parce que là, cette fois-ci, nous allons utiliser des pistons gluants. Il va me falloir deux petites poudres de redstone. Il va me falloir des plaques de pression. Donc, est-ce que j'ai de la pierre cuite? Pas de la roche. Ouais, j'en ai, mais pas suffisamment. Donc, hop, tu vas en remettre deux. Ça, on récupère. D'ailleurs, on va se faire nos petites fioles. Un max de petites fioles pour l'alchimie plus tard. Elle est quand même classe la musique là, non? D'ailleurs les fioles on va les remplir tout de suite d'eau en bas. Comme ça on est peinard. Ouais, à fond. Ça en fait hein. On va les mettre, hop hop hop. Pour l'instant on va rien faire avec tout ça. Je les pose juste. Voilà. Ensuite on va poser le reste ici. Oh oui, il y en a beaucoup hein. Il y en a pas mal. Là il y a de quoi faire des potions les amis hein. Ok, c'est plein à craquer. Donc on va les mettre là les autres. Donc ça c'est une potion de vision nocturne. Résistance au feu c'est bien. Je prends un petit soin instantané. Et allez, une potion de force aussi pour tout à l'heure. Ça devrait aller. Alors la roche est finie, c'est bien. Maintenant on va se faire nos dalles. Plaque de pression. On va récupérer. Bon, je vais re-récupérer du bois tiens. Non, pas du bois, de la pierre. On va se faire des dalles en pierre. 6, 12, ça devrait aller. Ouais, allez, c'est bon. Je pense que ça devrait le faire. Une pelle, j'en ai une. Ça, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, les carottes, j'en ai pas besoin. Tu te ranges. Et je regarde. Si, il me manque une petite chose. Une barrière. Je vais m'en refaire avec tout ça. Voilà. Comme ça, on est bon. Voilà. Pas besoin de tout utiliser. Je pense que 35 barrières, ça devrait le faire. Et on remet le CD parce qu'il est vraiment classe celui-là. Allez, le disque. Ah, il faut que je me mette dans la tête que c'est pas des CD, que c'est des disques. Hein. Donc ce piège, on va le garder. On va le laisser tel quel. Hein. Mais je vais en faire un juste là. Un petit peu plus loin. Donc le design de celui-ci. Il est un peu différent. Mais il est tout aussi efficace. Je dirais même peut-être plus efficace. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fin de compte, moi avec le design du mien, je m'embêtais à... avec un seul bâton. Sauf que bah, les monstres peuvent aller à gauche à droite. Hein. Donc le piège, on va le faire à peu près dans le même axe. Hop, hop. Sauf que là, le piège, ça va être 2 de profondeur. Ok. Tac, tac, tac. On met ça. On remet la terre. Et la petite plaque de pression. Et là, oupla, là maintenant on est enfermé. Bon, on peut toujours sauter. Hein. C'est après qu'on va jouer pour enfermer tout ça. Donc normalement...
Juste ça comme case, ça suffit. Alors, voilà. D'ailleurs, je tenais à préciser une chose, c'est que là, nous sommes le 12 mars 2013, à l'heure où je tourne cet épisode. Et la version 1.5 de Minecraft va pas tarder à sortir, vraiment dans pas longtemps. J'espère qu'il va sortir rapidement. Que je puisse voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de nouveautés qui vont être super cool. Alors, attends, on met ça comme ça. Voilà. Ouais, c'est quand même plus classe comme ça. Ok. Ok. Ça, c'est bon. Ça, on range. Et maintenant, les barrières. Donc, les barrières, c'est pour faire le tour ici. Voilà. Parce qu'en fin de compte... Les mobs, mince, je fais n'importe quoi. Faut pas que ce soit fermé ici justement, non mais imbécile. Faut bien qu'ils puissent passer les mobs. Hein. Je disais, les mobs ils peuvent pas sauter au-dessus des barrières, ça les bloque. C'est pour ça qu'on laisse ça comme ça. Voilà, hop 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 hop. Bah, je crois que je les ai pas séparés assez loin. Parce que là-bas il y a quoi de distance? Il n'y a qu'un seul, si, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Je dis bien normalement. Hein. On testera ça le moment venu. Mais en tout cas, c'est un autre design qui fonctionne très bien. Hein. Alors maintenant, on va ranger nos petites affaires. D'ailleurs, j'ai presque envie d'attendre que le soleil se couche avant d'aller dans le nether. Remets ton CD, toi. Ton disque! Ton disque! C'est pas un CD, bordel! C'est un disque! Imbécile! Ok. On range ça. Ça, c'était bon. Qu'est-ce que je vais faire? Vision nocturne. Donc, ça, je voulais vous le montrer. On va faire un petit peu d'agriculture. Que là ça a bien poussé et ça fait longtemps que je m'en suis pas occupé hein. Ça va faire minimum au moins 10 épisodes que je m'en suis pas occupé. Ça a bien eu le temps de pousser tranquille hein. Ok, d'ailleurs il va falloir que je pense à mettre des torches aussi là bas où il y a les melons et les verrues du tréfonds, parce que la dernière fois que j'ai voulu utiliser le piège à disque, il y avait eu des creepers qui avaient spawné à l'intérieur. Ça c'est pas terrible. Ça veut dire qu'il manque de lumière. D'ailleurs toutes mes torches je les ai utilisées pour le village de PNJ hein. C'est pour ça que j'en avais plus. Je me disais bien aussi. On va s'en refaire aussi. On va s'en refaire. Alors y a rien dans la flotte là. Y a rien dans la flotte donc c'est bon. C'est un petit peu chiant l'agriculture en vidéo quand même. Ok. On va s'occuper des verrues d'abord. Oh, c'est beau quand c'est plein comme ça là. Ça fait beau. Hein. Voilà, je vois que la nuit commence à tomber, c'est très bien. Clac, 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 clac. On replante, faut que ça pousse. J'avance pas bien vite. Hein. Voilà. Très bien. Oh, il y en a déjà un qui a poussé. N'importe quoi. On va ranger tout ça. C'est ambiance boîte de nuit chez moi, là. Ok, des torches. Je crois que j'ai... ouais, j'en ai là, du charbon. Yes! Là, ça me fait pas mal de torches, donc on devrait être bon, tranquille. On installe les torches et on va boire cette potion pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a encore un peu de lumière au fond, là. Alors,
Non, non, l'ami. Tu mets les torches ici, s'il te plaît. Voilà. Puis tant qu'à faire, on va tester le nouveau système de piège. Hein. La musique est finie, je suis triste. Voilà. Alors là, je pense que je vais pouvoir la boire, la potion. Pas de mob. Ah si, il y en a. Ah, c'est bon. Alors, vision nocturne. Waouh, là on voit clair et net, hein. On voit très bien. Alors, j'ai vu des creepers là-bas, donc on va aller en choper un. Viens là, coco. Mais va pas dans l'eau, je suis là. Il est débile ce creeper. Il est débile. Ok, bah viens. L'imbécile. Imbécile. Imbécile. Faut tout lui faire, hein. C'est bon, tu peux monter, voilà. Ok, donc là on passe là. Faire en sorte qu'il passe ici. Clac! Et là il est directement fermé, là il n'y a pas de souci. Maintenant il faut que j'amène un squelette, il y en a là-bas. Par contre, la vision nocturne c'est un peu trompeur, hein, parce que là. Ouh là là, j'ai eu chaud. Là on peut croire qu'on est en pleine journée, hein, mais non. On est en pleine nuit là. Allez, viens là, Coco, viens là. On va récupérer un autre CD, je vais encore vous faire chier avec la musique. Maintenant tu viens. Non mais viens. Voilà, là il est enfermé. Et là normalement il devrait attaquer le creeper. Si je me mets bien sûr derrière le creeper. Bon, viens là l'araignée. Non, tu te casses. Non, viens. Viens là. Paf! Le premier coup. Allez, monsieur le squelette. Voilà. Donc vous voyez, ce système marche aussi très bien, hein, que l'autre. Il est moins chiant à faire. T'as pas besoin de faire un mur entre les deux. Tu me diras, à l'autre non plus, je pense que j'avais pas besoin de faire de mur, hein, mais... Voilà, ça c'est fait. Et un CD en plus. Un disque! Un disque, mon sang. Je vais jamais m'en sortir avec ça. Hein. Allez, prends. Maintenant, le disque. On va se le mettre. Eh ouais. Même s'il y a la musique de Minecraft qui retentit, je m'en fous. Je mets mon CD. Ah d'accord, lui, il a spawné au-dessus. Bah, c'est comme tu veux, mon pote. Hein. Ah, je comprends pourquoi l'autre il était parti. Parce qu'il y avait le chat. Vas-y, le chat, va vers la maison, là. Voilà. Je le pousse, moi, le chat, je m'en fous. Hein. Y a pas de problème là-dessus, voilà. Y a personne chez moi? Non, c'est bon. Alors, le disque. En rythme avec la musique, et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok, alors maintenant, potion de force. Potion de résistance au feu. On est parti pour retourner dans le Nether, les amis. Let's go. On se quittera sûrement dans le Nether. Il y a des Enderman? Ouais, il y en a. Il y en a un. Je vais d'abord me le faire. Parce que c'est important que je me fasse les Enderman. D'ailleurs, toi, tu viens pas m'emmerder. Il y en a un autre là-bas, c'est cool ça. Oh la vache, il y a plein d'Enderman! Oh, c'est quoi cette histoire là? Il y en a énormément, vous avez vu le nombre? C'est pas pour me déplaire, hein, ça m'arrange qu'il y en ait autant. Hein. Bon, là-bas il y a Creeper et Enderman. Alors, Creeper déjà. Allez, boum, t'as explosé. Tout ça à cause de cette araignée de merde. C'est bien. Clac, je te pète, moi, je te pète, y a pas de problème. Toi aussi, je te pète, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il est mort. Toi, vas-y, viens. Vas-y, viens, qu'est-ce qu'il y a? Je t'attends, moi. Tiens, mais vas-y, viens. Arrête de jouer ta lopette. Viens te battre. Viens te battre.
Tiens, et à une perle. Super. C'est ce que je voulais. Mon armure est toujours au top. Encore un creeper. Voilà. Et encore un. Vas-y, on se fait plaisir. Là, on récupère pas mal d'XP. Hein. Ça, c'est cool. Clac. Moi, j'ai même pas peur de les frapper comme ça, moi, les Enderman. Je suis un fou. J'en attaque 3 d'un coup. Je suis un gros malade. Plus les zombies. Allez, vas-y, je te pète. Et il m'a donné une perle, le gars. Il est parti où, l'autre? Il a disparu. Non, il a pas disparu. Il est quelque part. Il doit être là. Oh! T'es où? T'es là. Voilà, bon. Il a pas donné de perle. Ah si, j'en ai 3. Bon bah c'est plutôt pas mal, 3 perles. Attendez, ah! Ça c'est cool. Il y a un zombie comme ça. Ça c'est cool, on va essayer de le garder. Ok, là il y a la ferme. Je vais essayer de le dézombifier, mais ça va être chaud hein. Parce que là, il va falloir que je rentre chez moi. Par contre, je vois pas quand... Ah. C'est en train de se coucher, donc il faut que je me dépêche. Donc je vais essayer. C'est pas sûr que j'y arrive. Allez, viens là, mon pote. Faut que j'aille chercher ma potion que j'ai faite en splash. Que je prenne une pomme d'or. Rapidement. Ok. Alors tu bouges pas de là mon pote hein, j'arrive hein. J'espère qu'il va pas se barrer. Alors ma potion en splash, elle est là. Ensuite une pomme d'or. Vite vite vite. Allez on se bouge. Les pommes d'or je les ai mises où? Mais non, quittez le lit espèce d'imbécile. Ok, la pomme d'or elle est là. Ok. Viens là maintenant mon ami. Alors avant d'utiliser ça, je vais faire en sorte qu'il vienne avec moi jusque dans une maison au village PNJ. Pour vraiment être peinard. Parce que si j'utilise cette potion et qu'il commence à faire jour, ça sert à rien. De toute façon le zombie quand il sera dans une maison, il n'y a pas de problème. Il va pas cramer. Allez viens là. Par contre, ça prend du temps pour qu'il redevienne un PNJ. Donc là, il y a une porte de l'autre côté, c'est très bien. Alors. Clac. Et là. Oups là. Vous avez entendu ce bruit? Allez, viens là, Coco. Donc là, il peut pas sortir. Et là non plus. Et là, il est enfermé. Donc normalement, avec ce que je lui ai donné, il devrait pouvoir se retransformer en un PNJ. Un moment. À un moment ou un autre. Donc là, le soleil commence à se lever. Là, on voit que ma potion perd son effet. Hein. Ça clignote. Ouais, 4 secondes. Le zombie là-bas, il a cramé. Bon, il est toujours zombie. Hein. Voilà, il crame. Hein. Ça veut dire que le soleil s'est levé. Mais l'autre, il crame pas, hein, parce qu'il a un toit sur la tête. Eh ouais, je suis de l'autre côté, moi. Ça va ? Attends, je suis en train de te sauver la vie et toi tu fais n'importe quoi. Bon par contre, je vais pas aller dans le désert. Je vais attendre que le zombie se dézombifie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre là devant, comme un imbécile. Et je vais vous mettre ça en accéléré jusqu'à ce qu'il devienne un PNJ. A tout de suite. Bon les amis, on est de retour de l'accéléré, vous avez pu voir, j'ai fait un petit tour.
J'ai essayé de trouver l'autre PNJ, mais apparemment l'autre PNJ aussi a péri. Donc à mon avis c'est un problème de configuration du village, hein. Parce que j'ai remarqué qu'ici il peut tomber de très haut, il peut se faire très mal. Il suffit qu'il tombe deux fois de là-haut, c'est fini, à mon avis. Par là-bas, je vais vous montrer vite fait, parce que l'autre il tape à la porte, là il est chiant. Par là-bas, si le PNJ tombe là, qu'il veut remonter chez lui, il a un peu de mal, hein, même s'il peut faire ça comme ça, il a quand même du mal. Donc tout ça, je vais le boucher, je pense. Parce que ça, c'est un petit peu n'importe quoi. Et ça m'embête, hein, que l'autre, il est disparu encore là. Quand je pense que, là, à l'heure qu'il est, j'ai envoyé mon... Enfin, c'est demain que j'envoie mon premier épisode. J'avais vu le village de PNJ, il y avait beaucoup de monde, hein. Et là maintenant c'est désert, il n'y a plus personne. C'est la merde. Je l'entends plus taper aux portes, c'est fini. Yeah, c'est fini. Un nouveau PNJ, voilà. Donc maintenant t'es chez toi ici. Hop, je vais bouffer un bout. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que bah, le Nether, on attendra un petit peu plus tard pour y aller. Moi en off, je vais raser par exemple ce gros truc là, je vais reboucher là-bas, je vais vraiment faire les trucs chiants à faire en vidéo. Je vais le faire tranquillement. Et une fois que le village de PNJ sera entre guillemets clean, on essaiera de chercher d'autres zombies à dézombifier pour refaire le village. Parce que là, en gros, dans mon aventure, on va faire un village PNJ à partir de rien, j'ai envie de dire. Parce que les maisons, c'est moi qui les ai faites et les PNJ, il n'y en a plus. Donc celui-ci, hein, que je viens de sortir. De son drame de zombification. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!